Salut. Salut. Ça fait longtemps. Ouais, j'ai eu pas mal de problèmes ces derniers temps. Ah, et quoi comme problème? T'as regardé Instinct 4? Ouais. Le stagiaire, il s'est barré comme ça à la fin, en m'insultant. Je l'ai pas très bien pris, et il est parti de toute façon. Ok, bah en tout cas t'as bien géré au niveau du montage, on s'en rend pas compte. Il a dit qu'il reviendrait pour que je le paye. T'as pas tourné chez toi? Non, ailleurs, beaucoup plus loin. Alors comment tu veux qu'il te retrouve? Je sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Tu l'as tourné quand cet épisode? En juillet. Ça fait 3 mois. Je sais pas. Et sinon, tu vas continuer la série? Ouais. Je sais déjà de quoi va parler l'épisode 5. Arrête de penser à lui. Il travaille là-dessus, ça changera les idées. Ça m'a fait réfléchir ce qu'il m'a dit. Et il t'a dit quoi exactement? La caméra a enregistré le son. Tu veux voir? Tu montreras ça plus tard. T'es sûrement fatigué. Ouais, ok, salut. Bonne chance pour l'instant 5. Ouais, merci. Je suis inférieur à toi parce que j'ai pas vu certains films. Et s'il y a des gens qui te regardent, et j'en doute, tu penses qu'ils les ont vus? C'est pas en faisant le connaisseur du cinéma d'auteur de mes couilles que tu iras quelque part. Si ça se trouve, tu te forces à les aimer, ces films. Au final, il aura servi à quoi, cette émission? Bonjour tout le monde et bienvenue dans Instinct, l'émission qui analyse des films comme Choupi, et aujourd'hui on va parler de cinéma australien. Rolf Dare est un réalisateur australien d'origine néerlandaise né en 51. Au moment où je fais cette chronique, il a réalisé 14 films, et c'est un peu le bordel. Parce que pour pas simplifier le truc, la plupart de ses films sont complètement paumés. Mais quand on parle de lui, généralement il y en a vraiment 5 qui reviennent souvent. Dingo, son troisième film en 92 avec Miles Davis, qui est un road movie sur le jazz, et accessoirement son premier film largement distribué. Et que j'ai pas vu. Donc voilà. Bad Boy Bubby, son quatrième film. Clairement son grand coup d'éclat, mais on y reviendra. La Chambre Silencieuse, le film qu'il a fait juste après Bad Boy Bubby, un drame qui est son premier film à être sélectionné à Cannes et qui parle de la rupture d'une famille vue par une enfant d'à peu près 7 ans qui a arrêté de parler. Et lui, pour le coup, je l'ai vu. Et il est bien. Tenkanos, son 11e film, là encore, prix du jury à Cannes, je sais pas quoi, le second opus de sa trilogie sur les aborigènes après Vitraker en 2002. C'est le film qui a finalement assouvi sa réputation de grand nom du cinéma australien à l'international, et j'ai pas réussi à aller à plus de la moitié. Alexandra's Project, son 10e film, qu'il a donc fait juste avant Tenkanos. Et il faut vraiment que j'en parle. De tous ses films, c'est clairement mon préféré. C'est un père de famille avec ses deux enfants et sa femme pour qui tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, jusqu'au jour de son anniversaire où il retrouve sa maison vide, inhabitée, avec une cassette enregistrée par sa femme. De là découle une descente aux enfers. Tout dans le film est fait pour qu'on s'identifie au père, et on se prend plein de claques comparables à de grands coups de tartata en plein dans le crâne tout du long. Mais c'est pas tellement un film à intellectualiser. Plus c'est à vivre et à ressentir comme une expérience intimiste et personnelle à chacun. A cette liste, on peut rajouter Charlie's Country, son dernier qui a eu un Oscar et qui a donc pas mal fait parler de lui, et qui est le troisième volet de sa trilogie sur les aborigènes. Et rien qu'avec les films que je viens de citer, on brasse des genres très différents. Et encore, pour faire encore plus large, il a fait Epsilon, un film de science-fiction en 95, et Dr. Punk en 2007, un film hommage au cinéma muet qui parle de la fin du monde. Je dis ça comme ça, mais il est quand même sorti 4 ans avant The Artist. Et à voir ça de loin, sa carrière n'a aucun sens, aucune ligne directrice qui nous permettrait de suivre un hypothétique message dans ses œuvres tant elles sont variées. Et pourtant, bah y en a une. Dans tous ces films, on trouve les mêmes thématiques. Et une de celles que je pense pouvoir affirmer, c'est l'homme, l'être humain face à son environnement. Dans tous ces films, on a des gens, adultes, enfants, d'origines diverses, qu'on voit évoluer dans leur environnement naturel, quotidien. Dit comme ça, c'est flou, mais je vais m'expliquer avec des exemples. Dans La Chambre Silencieuse, on suit une enfant qui évolue dans son petit univers, qui se passe uniquement dans sa maison pour ça d'ailleurs, troublée par ses parents qui se disputent, troublée par leur divorce. On retrouve aussi ça dans Alexandra's Project, le personnage principal du père voit sous ses yeux son univers s'effondrer tout au long du film. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens à poil dans ces films. And then he said, "Are you circumcised?" Parce qu'ils sont chez eux, dans leur confort, loin des jugements que les autres pourraient leur porter, de la pudeur qu'impose notre société. Parce que se promener en tenue d'Ève dans la rue, on appelle ça un attentat à la pudeur, et c'est fortement réprimandé. Bref, dans Tenkanos, on suit des aborigènes dans le passé évoluer dans la nature, dans leur habitat, et dans Bad Boy Baby, on a l'inverse. On a un personnage qui découvre la nature et quitte son habitat. Mais quitte à en parler, autant en parler maintenant. Bad Boy Baby donc est un film sorti en 93 en Australie et en 95 en France, quatrième film du réalisateur Rolf Dare après ses deux premiers films Tale of a Tiger en 84, un film sur l'enfance, et Uncutter at the Raven Gate en 88, un thriller à suspense de science-fiction, respectivement un honnête succès critique et commercial, et un film d'exploitation. Et également après Dingo, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui, de par ses musiques, s'était fait plutôt remarquer en festival et avait reçu quelques récompenses. Dare a travaillé plus de 10 ans sur le scénario de Bad Boy Baby. A la base, il devait être son premier film. Il pensait le tourner en amateur pendant 3 ans sur ses week-ends, avec dans le rôle de Baby, Richie Singer. Je donne son nom parce qu'il a quand même joué dans 2-3 films comme Crocodile Dundee, mais rien de très fou. Et de cette première volonté, de cette première façon de penser le film, a découlé une vérité. En tournant le film comme ça, il ne pourrait pas garder tout du long le même chef-op.
Et ce qui était à la base un des principaux problèmes du film pour DR va finalement être une de ses grandes qualités. Au final, 32 chefs-op ont travaillé dessus, et pour chaque lieu que découvre Bobby, on a une photographie plutôt différente, qui rend le film très riche visuellement avec une imagerie variée. Mais après réflexion, il veut mettre Bad Boy Bobby de côté quelques temps, tout en prenant note de toutes les idées qu'il avait pour le film. Il a donc été réalisé ses trois premiers films, et c'est qu'autour de 92 qu'un producteur italien l'a approché pour produire son prochain film. Et il n'y avait plus qu'à rassembler toutes les notes en un scénario et à contacter Singer pour le rôle. Mais bien qu'ayant été très investi dans le projet, Ritchie avait hérité entre temps et complètement changé de vie, il ne voulait plus jouer dedans. Sans rancune, DR a cherché un acteur et s'est souvenu d'un obscur court-métrage qu'il avait vu en festival. Confesseur Caresseur, un court-métrage un poil dérangeant où un personnage, le Confesseur Caresseur, nous raconte qu'il est un dangereux tueur et agro gros méchant. Le Confesseur Caresseur était joué par Nicolas Hope. DR l'a retrouvé, lui a fait lire le scénario et il a tout de suite été emballé. Une autre idée que DR voulait mettre en place pour le film était de mettre un micro directement sur la caméra pour que le personnage découvre le monde et les sons tels qu'ils sont, variés et relatifs à chaque endroit, et qu'ils changent radicalement dès que la caméra bouge. Et moi aussi j'ai un micro sur ma cam, ce qui fait de moi un auteur qui fait de l'expérimental. Voilà. L'idée a évolué et ils ont fabriqué une perruque pour Nicolas Hope, avec des micros sur ses tempes qui pouvaient enregistrer les signaux sonores en binaural. Ce qui donne une ambiance très particulière au film. On se sent d'autant plus être le personnage puisqu'on entend ce que lui entend. Avec son acteur principal, son scénario mûri de 10 ans, ses 32 chefs-op et sa perruque à son binaural sous le bras, DR était fin prêt à tourner son film. Et ce que ça a donné, bah on va le voir maintenant. Le film s'ouvre sur un personnage qui se fait raser et laver par sa mère. Quand je vous parle de rapport à l'environnement, ce personnage c'est en fait Bubby, et si à 35 ans il se fait laver les fesses par sa maman, c'est parce qu'elle le séquestre dans ce petit appartement en banlieue d'Adélaïde depuis qu'il est petit-haut. Il n'a donc jamais vu le monde extérieur et tout ce qu'il connaît est dans cette pièce. Tous les jours quand sa mère part travailler, elle le laisse sous la surveillance d'une statuette de Jésus qui le punira s'il bouge. C'est pour ça qu'il se fait pipi dessus. Et si seulement c'était une blague? Donc de prime abord on sait qu'il aura une perception du monde qui sera très différente de la nôtre, loin de la pudeur dont je parlais tout à l'heure. Et où ça c'est normal, ça aussi, et où un chat n'éprouve ni la douleur ni le besoin de respirer. Parce que pour faire rester Bubby en place et pour ne pas qu'il parte, sa mère lui a raconté qu'il avait besoin d'un masque à gaz pour respirer dans le monde extérieur. Et tout ce petit univers, l'organisation de l'habitat de Bubby va s'effondrer quand son père va revenir à la maison. Sauf que ça faisait 35 ans qu'il s'était pas pointé. Ça la fout mauvaise. Et petit à petit, il prend la place de Bubby. Et lui, bah, ça fout la merde dans sa vie. Et après une séance de voyeurisme, et oui, j'en parle beaucoup, mais c'est pas sain, sérieux, d'observer les gens comme ça. Moi, avec mes potes, la nuit, on est des ouf, on va faire des descentes dans la ville, on casse des voyeuristes, qu'est-ce que tu vas faire? Ils mettent Bubby à la porte avec un masque à gaz. Et Bubby pas content. Bubby pas content, et une fois seul à la maison, casse tout. Et Bubby, il aime pas quand les gens se disputent et crient. Alors il tue ses parents pour qu'ils soient plus sages. Donc ça, c'était la première demi-heure du film, et la suite ne va être qu'une succession de rencontres ou de découvertes de lieux. Découvertes pour Bubby, qui n'a jamais vu le monde extérieur. La première fois qu'il descend dans la rue, il croise des mecs bourrés en voiture qu'il traite d'enculés. Bon, c'était un début, il retourne dans son appartement, mais plus rien ne l'y retient. Alors il décide de se lancer une bonne fois pour toutes. Et il est avant tout attiré par la musique. Et c'est là que le son binaural devient intéressant. Il a jamais entendu de musique de sa vie. C'est normal qu'il soit interpellé par ça. Sa première vraie rencontre, c'est une chorale. Il chante un peu avec et il l'emmène à la pizzeria. Et une des choristes a flashé sur Bubby. Fait l'amour avec lui, le rase. Donc pour Bubby, c'est comme une nouvelle maman en fait. Mais il a vite fait de la quitter pour découvrir les arbres, les enfants et les chiens. Et de chaque rencontre, il sort grandi quelque part, puisqu'il découvre à chaque fois quelque chose, il en retient une expression, voire plusieurs, qu'il va ressortir un peu aléatoirement. Parce que, autant vous dire que Bubby n'étant jamais sorti de chez lui pendant 35 ans, il sait pas très bien parler. Au bout d'un moment, il rencontre un groupe de rock amateurs qu'il prend sous son aile, et qui sont jusqu'alors les personnes ayant été les plus bienveillantes à son égard. Le truc, c'est qu'ils ont loué une salle de concert, mais que dans groupe amateur et amateur, ils sont pas connus, personne s'est pointé, et ils sont fauchés avec un besoin d'argent pour rembourser la salle. Mais Bubby va trouver de l'argent! Tout va bien! Il se passe plein de trucs, il va en prison pour tentative de viol, il se fait violer, et une fois sorti, il rencontre quelqu'un qui lui fait un très beau monologue anti-religieux. Mais il se fait encore rouer de coups parce qu'il a touché quelqu'un. Décidément une constante chez lui. Et attristé par le monde extérieur, il décide de rentrer chez lui. Sauf que le cocon dans lequel il était enveloppé est maintenant ouvert, il a pris son envol sans espoir de retour, parce que la mort est irréversible, Bubby en a conscience, et c'est pour ça que dès qu'il ressort à l'extérieur, il dit s'appeler Pope. Père en anglais. Parce qu'il a vu ce que le monde avait à lui offrir, il ne découvre plus comme Bubby, mais veut s'affirmer face à lui. Là où Bubby était un enfant, Pope est un adulte. Une fois dehors, il trouve un nouveau chat et est donc content, il dort avec, part lui chercher une pizza, mais par hasard retrouve le groupe de musique qu'il avait déjà croisé. Pendant un de leurs concerts dans un bar, prend le micro, il ressort toutes les phrases qu'il a entendues et qu'il répète depuis le début du film, et ça plaît. Il repart chercher son chat, mais des jeunes hooligans l'ont tué. Chat est mort et Bubby triste. Par hasard, encore une fois, il croise Angel, une dame qui travaille dans une clinique pour personnes atteintes de handicap mentaux, et Bubby arrive à comprendre Rachel, une personne internée dans la clinique. Et puisqu'en dehors il ira à l'HP, Angel et les autres membres du personnel décident de le faire rester. Angel le lave et a la même corpulence que sa mère, soit dit en passant.
De là, on comprend pourquoi Bubby le Popo, c'est pas ça son nom? La drague elle et d'autres filles rousses en léger surpoids? Ah, j'ai une ossature lourde et nanana nanana. Depuis le début du film. Elle le lave et on voit son zizi. C'est pas gratuit, repense à ce que j'ai dit. C'est parce qu'il est en face de retrouver un habitat, un environnement avec lequel il sera familier. Et justement, elle a l'air de bien aimer Bubby. Le truc, c'est que maintenant, Bubby, il joue dans un groupe. Alors elle le ramène avec eux. Et il fait une superbe prestation, enfin je crois. Je pense qu'on arrive dans un spoiler. Enfin, le film est une succession de plein de petites rencontres, hein. Je suis pas sûr qu'on puisse le spoiler. Donc après moult péripéties, Bubby sort avec Angel et il va rencontrer ses parents très croyants. Et Bubby, ou Pop d'ailleurs, ressort en grande partie ce qu'il a entendu depuis le début du film. Et je le rappelle, à un moment il a croisé quelqu'un dans une église qui lui a fait un monologue anti-religieux. Et le repas de famille vire au drame quand... Fuck you, God. Strike me down if you dare. Parce que dire fuck you God devant des gens très conservateurs au point de dire qu'être gros est une abomination, avec des symboles christiques tout autour de soi, c'est que moyennement une idée lumineuse. Mais Bubby aime Angel, et ses parents sont méchants. Alors Bubby agit en fonction de ce qu'il voit, et les parents qui donnent des coups de tartatin dans le crâne de Angel en l'insultant, ça lui plaît moyen. Il prend du film plastique et... Ashes to ashes. Dust to dust. Il repart avec le groupe et on a un très beau dialogue avec un des membres qui lui explique que tuer c'est mal. Bubby comprend et promet de ne plus faire de mal à quiconque. Enfin, en résumé. On voit Bubby jouer une dernière fois en concert avec son groupe qui est devenu grâce à lui très populaire. Il a fait deux enfants à Angel qui accouche nu et le film se termine avec un long plan aérien sur Bubby qui joue dans le jardin de sa maison avec ses deux enfants sous le regard attendri de Angel qui porte leur chat à la main. C'était Bad Boy Bubby. Et c'était spécial. Alors oui, là au niveau des bails, on est loin d'un choupi le film. Et même si comme je l'ai résumé, on a l'impression que le film est sympa et agréable à voir, c'est pas le cas. C'est très long, certaines scènes sont pénibles. Et c'est voulu comme ça. Le malaise occasionné apporte à l'atmosphère ambiante du film. Par exemple, on a un plan de 40 secondes sur Bubby qui se fait violer dans la prison. Et les 1h50 que dure le film paraissent une éternité tant les scènes comme celle-là mettent mal à l'aise. Mais à côté de ça, l'ambiance du film est assez dingue, tant son visuel est riche de par la pelleté de Chef Hop qui font des choses assez différentes par moment. La question qu'on peut se poser au final, c'est est-ce qu'il vaut le coup ce film? Oui, complètement. Le film est un pari réussi. On s'attache aux personnages, les ambiances varient avec les décors, varient comme nos émotions devant le film. On est tantôt amusé, tantôt touché, tantôt triste. C'est un film très sincère, sincère comme la vision que son auteur nous offre sur notre société. Quand quelqu'un se fait battre, violenter ou je ne sais quoi d'autre étant enfant, une fois adulte, dans beaucoup de cas, l'enfant devient oppresseur. C'est un cercle de violence, et Bad Boy Bubby nous montre que ce cycle peut être rompu. Il y a toujours de l'espoir, rien n'est écrit à l'avance. C'est pour ça que le premier gros quart d'heure du film se passe dans l'appartement. Pour montrer le cycle se rompre, faut d'abord voir ce qu'il est, la violence, l'innocence, etc. Et la fin qui paraît être une happy end bateau forcée par les studios prend tout son sens ici. Le cycle de la violence n'aurait été que répété si on avait tué Bubby à la fin du film. Ce qui devait être la fin originale, Bubby devait être pendu pour ses crimes. En réalité, DR l'a changé lorsqu'il a appris qu'un politique voulait réinstaurer la peine de mort en Australie du Sud. C'est qu'après qu'il s'est rendu compte que cette fin avait également beaucoup plus de sens par rapport à l'histoire. En tous ces points, Bad Boy Bubby, c'est aussi un voyage initiatique vu au travers des yeux d'un enfant. Un voyage pour rompre le cycle dont je parlais, un voyage pour que la société s'adapte au personnage, et non le contraire. Par contre, est-ce que je vous le conseille? C'est une autre paire de manches. Tous les films de Rolf Dreher sont très spéciaux, et quelque part difficiles à appréhender. Son film le plus accessible, ça doit être Alexandra's Project. Et je vous le conseille toujours. Et c'est pour ça que je peux pas vous dire comme je le fais d'habitude, regardez ce film. Moi je l'ai bien aimé. Mais il peut paraître élitiste de loin. Et de près, bah, c'est pas faux. Pour le comprendre, il y a un effort intellectuel à fournir. C'est vrai pour chaque œuvre, c'est sûr. Mais là, c'est plus intense. Le film est fait de manière à nous faire cogiter sur notre société en nous la montrant du point de vue d'un personnage enfant. Aux antipodes d'un big, on voit ce personnage découvrir le monde. Les gens baisent entre eux, sont violents, au taquet, ancrés dans une condition qu'ils ne remettent plus en question. En ça, le film me rappelle un peu Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi, c'est un film de Godfrey Adjio qui est très dur à définir. Mais qu'on peut étiqueter comme étant le premier documentaire écolo. En vrai, le film nous montre sans commentaire des images sur fond d'une bande-son de Philip Glass, chef de file du mouvement musical minimaliste, qui nous livre une des plus belles BO de tous les temps, que vous avez déjà sûrement entendu de ça, de là. Et pour en parler, l'interprétation que Nicolas Hope nous livre de Bubby est vraiment bonne. Il s'est beaucoup renseigné sur le comportement d'enfants atteints d'autisme, pour sa gestuelle et sa manière de parler, et on y croit. Le seul problème pour lui, c'est qu'il n'a jamais retrouvé de rôle à la hauteur en Australie après ça. Il n'a joué que des rôles de fou. C'est qu'à l'étranger qu'il a eu des rôles un peu plus variés. Le son binaural, à condition de regarder le film avec un casque, marche parfaitement. On se sent être Bubby, on entend le monde au travers de sa tête. Sans casque, cette histoire de son binaural fait vraiment gadget. Vous pouvez voir le film sans, c'est accessoire. Mais c'est une dose de cachet immersif supplémentaire. Donc pour conclure, bah si le film vous intéresse, regardez-le. Mais je peux pas vous le conseiller. Parce que je sais qu'une grosse partie du public n'appréciera pas le film. C'est personnel à chacun et je sais qu'aucun film ne peut faire l'unanimité, mais celui-là est vraiment très dérangeant par aspect
et je voudrais pas que vous le regardiez pensant que c'est un film léger pour après être dégoûté de ce genre de cinéma. Ça serait une faute et je voudrais pas en être responsable. En tout cas, moi je l'ai bien aimé. Et je peux qu'encourager ceux qui ont envie de le voir. La prochaine fois, on parlera d'un film français. Allez, salut.